mon souvenir, elle était bien plus grande. Passer des heures ensemble. Je devais te traîner de force. Chin-Haru! I'm just ready! Je regrette, Yuna. Non, c'est faux. Tu te souviens du vieux pêcheur à six orteils? Il vivait dans une de ces maisons, non? Ne change pas de sujet. Yuna, que fait-il ici? Je lui avais dit de ne pas venir. Je voulais vous aider, Seigneur Sakai. En restant à Yarikawa, j'aurais été inutile. Mieux vaut être inutile que mort. Nous recherchons des soldats. Tu n'es pas formé pour ça. J'apprendrai. Et je ne vous gênerai pas. D'accord. Mais sois prudent. Et écoute ta sœur. Oui, monseigneur. Aucune trace des archers? Des villageois les ont vus par ici. Mais nous, non. Alors cherchons. Quelqu'un les a tués. Ce n'est pas nous. Des trous de flèches. Où sont les flèches? Retirées, pour être réutilisées. Ça vient d'un archer entraîné. Des traces. Trois, quatre hommes. Mais où sont-ils passés? Voyons cela. On venait ici attraper des criquets. Au moins une fois par semaine. Et puis on leur fabriquait des cages en bambou. Tu te souviens pourquoi on venait ici attraper des criquets? Non. Pour t'éloigner de notre mère. Quand elle se mettait en colère et cherchait à passer ses nerfs, les criquets changeaient les idées. Les traces mènent à cette maison. Je crois qu'un samouraï vivait là. Taka! Désolé. Tu dois être plus prudent que ça. Fouillons la maison. Je vais regarder autour. Des pointes, des cordes, de la peau pour faire de la colle. L'ours a mangé leurs provisions. C'est pour ça qu'il ne m'a pas tué. Il n'avait pas faim. Des tapis. Ils ont dormi ici. Au moins l'ours ne les a pas mangés. Les archers sont venus ici. Jin, Taka, j'ai trouvé quelque chose. Le bois brûlé est encore chaud. Les archers se sont installés ici. Ils doivent être proches. Ils ont volé les barils explosifs des Mongols. Ces archers me plaisent. Des traces. Les voilà! Ils grimpent en direction de cette crête. Ils ne se cachent pas sans raison. Baissez-vous, et ne faites aucun bruit.
Un samouraï vivant. Venez par ici. Vous devez être les archers de Yarikawa. Ce qu'il en reste. Les Mongols nous ont pris en train de piller un de leurs camps. On s'est échappé de justesse. Où sont les autres? Prisonniers. On les a suivis jusqu'ici. Nous les délivrerons. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Je suis Daikoku. Jin Sakai. Sakai. Tant que vous n'êtes pas un Shimura... Jetons un œil à ce camp. Un convoi de prisonniers. On dirait que les Mongols s'apprêtent à partir. Ils vont rejoindre une garnison derrière le vieux Yarikawa. Nous devons frapper avant qu'ils partent. Voilà vos archers. Tous sains et saufs. Bien. Hâtons-nous d'aller les libérer. Ne nous précipitons pas. Nous savons où ils vont. Nous pouvons leur tendre une embuscade. Le terrain n'est pas propice aux embuscades. Et dans le vieux Yarikawa? Il y a des toits de chaque côté de la route. Nous pouvons même utiliser les explosifs volés. Ah, vous les avez trouvés? Vos méthodes me plaisent. Bien. Allons-y avant que les Mongols ne partent. Les Mongols se dirigent vers nous. Taka, cache-toi vite dans une des maisons. Non. Je reste ici. Je veux me battre aussi. Jin, dis-lui. C'est à Taka d'en décider. Dans ce cas, tu t'occuperas de lui. As-tu peur? Non. Pas vraiment. Juste un peu. Yuna n'a jamais peur. Vous non plus, j'imagine. C'est difficile à croire, mais il nous arrive à tous d'avoir peur. Même à Yuna. Même à vous? Oui. Lorsque les Mongols ont emmené mon oncle, j'ai eu peur de perdre la seule famille que j'ai. Ta sœur ressent la même chose pour toi. Sans elle, je serais déjà mort. Moi aussi. Les voilà. Je tirerai sur les barils quand les Mongols seront proches. Seigneur Sakai, je ne suis pas prêt. Tu peux le faire, Taka. Saisis ta peur et serre-t'en. Oui, d'accord. Maintenant, monseigneur? Pas encore. Ils sont assez près, là, non? Je ne rends pas de paix! Allez,
Seigneur Sakai. Au travail, Daikoku. Ramenez vos hommes à la forteresse de Yarikawa. Tout de suite. Je savais que vous étiez un Sakai, mais vous ne m'aviez pas dit que vous étiez le fantôme. Allez-vous nous aider à briser le siège? Si Ujimasa l'accepte, je m'en assurerai. Ce qu'on dit est donc vrai. Je n'avais jamais vu personne faire ça. Taka, pars avec Daikoku. J'ai besoin de parler à Jin. On se voit à Yarikawa. On a réussi! Taka aurait pu se faire tuer, Jin. Je l'ai vu tomber. Il va bien. Et il a été remarquable. Je n'aurais pas dû le laisser se battre. Yuna, je sais que tu veux le protéger, mais tu l'empêches d'avancer. Taka n'est pas un guerrier. Il pourrait le devenir. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Tu ne seras pas toujours là pour le défendre. Je sais mieux que toi ce qu'il lui faut. Occupe-toi de ta propre famille. Je dois y retourner. Le siège n'est pas encore levé. Je te rejoindrai.